Le gardien de Manchester United a été humilié par son coach à la CAN. Il a décidé de le mettre sur le banc et de le remplacer par un membre de sa famille. L'histoire est complètement dingue, mais d'abord, moi c'est Polo et tous les jours je te raconte des histoires de foot, alors surtout n'hésite pas à t'abonner. Même en sélection, Onana n'a pas le droit au bonheur. Le gardien de Manchester United avait loupé le premier match de poule pour pouvoir jouer face à Tottenham en première ligue. Alors Manchester United a accepté de lui payer un jet privé pour qu'il puisse se rendre en Côte d'Ivoire. Prix du voyage, plus de 80 000 euros. Comment penser qu'avec Onana dans les buts, le Cameroun allait pouvoir rivaliser avec le Sénégal? Et ben ça se voit que le coach camerounais ne regarde pas la première ligue. Parce qu'encore une fois cette saison, Onana a été catastrophique. Et le Cameroun a perdu 3-1. Alors pour le dernier match de poule, le sélectionneur du Cameroun a pris une grande décision. Malgré tous les efforts d'Onana pour venir à la CAN, il a décidé de le mettre sur le banc. Et qui il a mis à sa place? Fabrice Ondoa, le gardien de Nîmes en 3ème division française. Parce que Fabrice Ondoa est aussi le cousin d'Onana.